Par une route sinueuse à 3000 mètres d'altitude, où coule en contrebas le fleuve sacré Urubamba, nos yeux se portent sur un spectacle unique. Des terrasses de sel scintillantes de blancheur sont suspendues au flanc de la montagne. De là, le spectacle est époustouflant. Grâce à l'ensoleillement, le sel s'évapore des grands bassins. L'eau provient d'une source souterraine qui dissout de grandes masses de sel concentrées dans la montagne. Elle sort de terre à 25 degrés et alimente les bassins par de multiples canaux que l'on ouvre en fonction des besoins. Exploité de nos jours en coopérative par les paysans de la vallée et sous forme de concessions qui sont transmises par héritage. Le travail est dur. Tout est ramassé à la main. La fleur de sel est mise en sac, puis montée à dos d'homme sur une plateforme. Pour les Incas, le sel était un élément important de leur vie, pour la conservation des aliments et un moyen d'échange avec d'autres populations. Les sacs sont portés à dos d'hommes où des ânes attendent de les acheminer dans la vallée.